Qui démontre un peu l'entrée dans une phase de vitesse de croisière d'application du programme de développement régional 2022-2027. Les chiffres qu'on a donnés déjà en termes de contractualisation de ce programme, avec cette session, on va dépasser les 60% du programme. Et la session a été particulièrement dédiée à des sujets d'actualité et de grande importance pour la région. Et je commencerai par l'eau, auxquels nous avons consacré des conventions importantes et des programmes importants, notamment une partie de dessalement d'eau au niveau de l'arrière-pays de la région, donc les parties qui sont éloignées de la côte, du littoral. Et également, nous avons prévu des investissements très importants dans la connexion des douars dans le monde rural, en eau potable et en réseau d'assainissement. Et également, on a investi dans des stations de réutilisation des eaux usées qui permettent l'arrosage justement des espaces verts et des golfs, tout en préservant la ressource eau qui devient de plus en plus rare. J'en profite pour lancer un appel à tous les citoyens pour qu'ils prennent garde de cette ressource qui est de plus en plus rare. Le deuxième chapitre est un chapitre qui est lié à l'emploi, donc à l'investissement pour l'emploi. Donc pour permettre à des entreprises de créer des opportunités d'emploi ou de créer des entreprises nouvelles, un des éléments déterminants, c'est le foncier. Donc nous avons programmé la mobilisation de 7 assiettes foncières dédiées soit à l'industrie, soit à la logistique, soit aux activités économiques de petite et moyenne taille de proximité. Donc, et également, on a prévu dans cette session un ensemble d'actions d'encouragement de la petite entreprise, de la moyenne entreprise et plus particulièrement de l'entreprise féminine, donc qui est généralement créatrice d'emplois et dans tous les secteurs. Troisième domaine auquel cette session a accordé beaucoup d'importance, c'est les infrastructures. Nous sommes à la veille de l'organisation de la Coupe d'Afrique et de la Coupe du Monde, Inch'Allah. Donc, il y a un ensemble d'infrastructures qui doivent mettre à niveau le territoire régional pour accueillir cette manifestation de grande importance. Et donc, nous avons programmé un ensemble de routes et d'élargissement, de mise à niveau, de rocades qui permettent de fluidifier davantage la circulation à l'intérieur de la région et plus particulièrement autour de Casablanca. Mais également, on a prévu un grand budget de 2,1 milliards de dirhams pour les routes rurales classées et non classées. Quatrième et dernier chapitre d'importance, c'est tout ce qui est lié à la santé, à l'éducation et au social. Même des domaines qui ne relèvent pas des domaines de compétences directes de la région et dans lesquels nous avons investi également des budgets conséquents, notamment au niveau de la santé, avec une convention cadre qui couvre à peu près tous les domaines, y compris un CHU nouveau au niveau de Ben Slimane, avec un budget global de 4 milliards de dirhams dans lequel la région participe à hauteur de 400 millions de dirhams.